Donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est une vidéo où je vais montrer mes affaires de GRS. Donc c'est une vidéo que j'avais déjà fait auparavant, si vous voulez la voir je vous la mettrai en barre d'infos. Mais là j'ai décidé de la refaire parce que j'ai des nouvelles affaires de GRS et j'en ai beaucoup plus parce que bah, plus le temps y va, plus j'en ai. Et donc bah, je vais vous montrer ça tout de suite. Et juste avant de commencer la vidéo, je tenais à vous faire une petite annonce comme quoi je vais reprendre les vidéos régulièrement parce que depuis un an et ben, je mettais des vidéos quand j'en avais. Mais maintenant je vais essayer d'en mettre une le mercredi à 16h et une le samedi à midi. Je vais essayer de tenir et j'espère que ça vous plaira. Et donc je vais commencer tout de suite. Et encore avant de commencer la vidéo, je tenais à vous parler d'un film qui va, un dessin animé qui va bientôt sortir au cinéma. Donc c'est le dessin animé Le Voyage de Riki. Je vous en parle parce que j'ai aussi un concours pour vous. Donc déjà je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce petit sac. Et ensuite je vous parlerai du concours. Donc déjà on a une petite casquette Le Voyage de Riki qui est trop trop belle, je vais la mettre. Oh non, ça va plus ma tête avec une casquette. Ensuite, il y a des petits crayons comme ceci. Je sais pas si vous verrez. Crayons de couleur, Le Voyage de Riki, toujours. Des petits ballons, trop trop beaux. Et des petits jeux, un coloriage et un petit jeu. Donc déjà, le concours, je vous ferai gagner. Je vais faire gagner, je crois, 11 personnes pour qu'ils gagnent chacun 2 places pour aller voir Le Voyage de Riki au cinéma. Donc suivez-moi sur Instagram, le concours se passera sur Instagram. Je sais pas quand est-ce que je vais mettre le concours, soit quand la vidéo est postée il y a la photo sur Instagram, ou soit ça sera demain. Et donc je vous mets mon Instagram juste ici, allez checker pour voir si le concours est déjà là. J'espère que ça vous plaira. Je vais vous mettre aussi la bande annonce en barre d'infos de ce film qui a l'air juste trop trop bien. Moi aussi je vais aller le voir. Et donc j'espère que ça vous plaira. Donc je vais déjà commencer par vous montrer les sacs que j'ai pour partir à la GRS. Le sac que j'utilise le plus souvent c'est celui-là. C'est un grand grand sac. Je ne sais pas la marque. Je crois que c'est Elegancy Paris, je pense. Et c'est un sac que ma meilleure amie Mathilde m'avait offert pour mon anniversaire. Elle a le même mais en marron. Et en fait ça existe plein de couleurs. Moi il est un peu violet foncé. Et il est vraiment super. Je l'utilise aussi quand je pars en soirée pyjama. Parce qu'il est énorme. Donc voilà, vous pouvez le tenir comme ça, le tenir en comme ça, voilà. Ici il y a une poche et il y a aussi une grande pochette, donc avec mes affaires de GRS que je mets à l'intérieur. Et quelquefois quand j'ai pas envie de me charger en fait, je prends ce sac là qui vient de la marque Bigumi. C'est une marque que j'affectionne énormément et d'ailleurs ils ont une nouvelle collection qui est sortie il y a une semaine je crois. Je vous mettrai leur site en barre d'infos. Et donc c'est un petit sac tout doux avec une petite licorne, en fait c'est un chat licorne et il est juste trop trop beau. Ah, je l'aime trop. Maintenant je vais vous montrer les affaires que je prends pour aller à la GRS et ensuite je vais vous montrer les affaires que je prends pour aller en compétition de GRS. Ben, donc déjà premièrement je prends une bouteille d'eau pour aller à la GRS, enfin normal. Ensuite la deuxième chose que je prends c'est des cordes parce que ben, on a en individuel parce que je suis en individuel honneur 13-14 ans et je suis aussi en équipe pré-excellence en honneur et en pré-excellence c'est la corde. Ah et pour ceux qui savent pas ce que c'est la GRS en général, je pense que c'est un peu de la gymnastique mais avec des engins genre du ballon, du cerceau, de la corde, des massues, etc. Donc déjà là c'est une corde noire, ça c'est la corde de mon club parce qu'ils prêtent les cordes pour l'équipe pour qu'on ait tous la même. Et ensuite j'ai une deuxième corde comme ça que je prends pour faire mon individuel. C'est une corde comme ceci, c'est dégradé violet rose et elle est juste trop trop magnifique. Je me souviens plus le site où est-ce que je l'ai acheté, donc je vous le mettrai juste ici le nom et je vous mettrai le site en barre d'infos parce qu'ils font plein d'affaires de GRS avec des dégradés et je trouve ça juste trop trop magnifique. Donc déjà quand on est en compétition on doit avoir un juste au corps, donc je vais vous montrer mes deux juste au corps. Il y en a un qui fait le juste au corps de mon club et le deuxième ben, c'est mon juste au corps à moi que j'ai acheté. Donc j'ai déjà celui-là, donc c'est celui que j'ai acheté. Après je vais vous montrer des photos et vous le verrez porter sur moi. Il est juste trop trop beau, c'est un juste au corps que j'ai fait sur mesure en fait. C'est moi qui ai choisi les couleurs et tout. Et le derrière il est comme ça et c'est des petits froufrous. Je l'ai acheté chez Madame Balbo. Je vous le mettrai en barre d'infos et je vous l'écrirai sur l'écran aussi. Mais tout sera en barre d'infos de toute façon. Et ensuite celui-là il est plus simple que le mien. C'est celui de mon club. Il est trop trop beau aussi. Donc il est noir comme ça. La jupe
elle est comme ceci et je le trouve juste trop beau. Ensuite j'ai une petite pochette comme ça, juste trop trop belle. Ça je sais pas où ils l'ont acheté, enfin c'était le cadeau de Noël de la GRS. Elle est juste trop trop belle, je mets mes affaires de GRS à l'intérieur. Ensuite pour tout ce qui est maquillage etc, déjà pour les cheveux j'utilise du spray pailleté de chez Nocibé. Donc il y en a un en or et un en argent. Et ensuite pour le maquillage, désolée s'il y a un peu cracra, vous voyez ma caméra, bonzo. Et donc c'est un miroir comme ça qui vient de chez Nocibé aussi. Et en fait c'est des pinceaux magnétiques dessus. J'ai eu il y a un an je pense. Enfin je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. Et il est juste trop trop pratique. Ensuite pour les yeux j'utilise surtout deux palettes. Donc déjà la première c'est une de chez Urban Decay. C'est la Moon Dust. Et c'est une palette, comme ça avec que des brillants à l'intérieur. Donc pour mon individuel j'utilise surtout celui-là. Donc c'est la teinte Peter. Et pour l'équipe j'utilise surtout celle-là. Et la teinte Vega et aussi la galaxie est juste trop trop belle. Ensuite la deuxième palette que j'utilise c'est celle-là. Je pense pas que vous pourrez la retrouver en magasin. C'est celle de chez Too Faced du Noël de l'année dernière. Ouais. Et en fait c'était la palette plus trois autres trucs. Et la palette est comme ça, c'est The Chocolate Shop. Elle sent le chocolat, elle sent trop bon, elle est trop belle. Bon, par contre, il n'y a pas de miroir. Et donc, dans cette palette, pour l'individuel, j'utilise surtout le blush. C'est un blush, mais moi, je l'utilise pour les yeux. Il fait très bien l'affaire, c'est le Chocolate Cover It Strawberry. Ensuite, j'utilise le Inner Light, c'est un highlighter. Et j'utilise aussi ces trois-là qui sont trop beaux. Pour le mascara, j'utilise le Better Than Sex de chez Too Faced. Il est juste trop trop bien. Enfin, je l'aime trop trop trop. Pour les lèvres, ça dépend. Quelquefois, j'utilise le Melted Matte de chez Too Faced également. C'est la teinte Peony. Donc, le voilà. Et aussi, j'utilise les rouges à lèvres de mon calendrier de l'Avent de cette année. Donc, c'est le calendrier de l'Avent NYX. En général, là, à la compétition, j'avais utilisé celui-là. Donc, c'est un soft matte et c'est la teinte Paris. Mais enfin, il y en a plein, plein, plein. Ensuite, il faut des demi-pointes. Donc, c'est demi-pointes comme ça. Je vous mettrai la marque en barre d'infos et sur l'écran aussi. Et ils sont super agréables. Je les aime beaucoup. Et avant de terminer la photo, je vais vous montrer un peu des photos. Donc, déjà, je voulais vous parler d'un site. Donc, c'est le site Lalalab que je vous mettrai en barre d'infos. C'est un super site. Vraiment. Déjà, juste, c'est un site. Ce n'est pas un site, c'est une application. Pour faire imprimer des photos, déjà juste la boîte, elle est trop trop belle. Regardez-moi cette beauté. Et on peut même écrire un nom ici pour l'offrir. Et quand on ouvre, ça se présente comme ceci. Alors il y a des photos que je pourrais pas vous montrer parce que ben, peut-être les personnes ne peuvent pas passer sur YouTube. Donc déjà à l'intérieur, il y a un code de parrainage. Ensuite là, il y a du papier pour faire un origami en forme de girafe. Je pense que vous avez chacun une forme différente. Et c'est juste trop trop bien en fait, c'est rigolo. À l'intérieur il y a également un truc super cool, c'est de la pâte à fixe. En plus c'est mini, c'est trop chou chou chou. Et ensuite vous avez toutes les photos, donc moi je crois que j'en ai pris 30. Je vais vous en montrer quelques-unes. Déjà j'ai pris des photos genre comme ça avec des photos internet. Et c'est super simple d'utilisation vraiment. Là par exemple c'est une photo de moi, Florine et Mathilde. Faites pas attention à nos têtes, c'est un délire. Et Mathilde, c'est la sœur de Darkma31, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Et vous pouvez même écrire dessus. Vous pouvez écrire et mettre des emojis. Donc j'ai mis un emoji caca et cœur et ils sont juste trop mignons les emojis. Je trouve ça super cool de pouvoir écrire sur les photos, comme ça on se souvient de quand c'était. Là c'est une photo avec mon Pika, donc de la chaîne The Valentine Blabla, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. C'est ma meilleure amie aussi, enfin ma meilleure amie virtuelle parce qu'on s'est déjà vu. Et j'aimerais trop te revoir. Pika, je sais que tu as passé par là, tu me manques énormément. Et donc voilà, j'avais écrit mai 2017 Planète Sauvage. Et on peut aussi mettre des couleurs autour. Donc là j'ai mis du rose et c'était quand on était allé au Gu Live. C'était la première fois qu'on était... Non, c'était la deuxième fois qu'on était allé au Gu Live je crois, il me semble. Et donc là voilà, j'ai mis la couleur violette et c'est quand j'étais allée faire une interview sur la chaîne Instablabla. Je vous mettrai le site en barre d'infos comme ça vous pouvez voir l'interview que j'ai fait. Ils m'ont posé des questions etc. Et donc voilà, je vous en ai montré quelques-unes. Maintenant je vais vous montrer les photos de moi à la GRS. Et j'ai un code promo pour vous, je le mettrai en barre d'infos comme ça, c'est toujours pratique.
Donc voici mon code promo, c'est le code promo HelloTube et ça vous permet d'avoir moins 30% sur LalaLab. Donc là, les photos de la GRS, je vais vous en montrer quelques-unes. Donc en voilà une, c'était avec le décor de Noël parce que c'était les photos de Noël. Et je vais vous en montrer une deuxième, j'en ai pas énormément non plus. Là, c'est moi avec mon Justo de GRS et la corde. Donc vous voyez que ça fait trop beau, ça suit trop bien ensemble et j'adore. Et donc voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue. Donc si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit commentaire. Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous. Bye!